Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. On se retrouve pour du Empires of the Underground. Du coup, grâce à un code bêta que m'a fourni Panchoc, donc merci à toi, on peut mettre la main sur les 4 prochaines missions. Donc on va tout de suite s'attaquer à Occupation. J'ai déjà eu un petit problème vidéo, donc je l'ai faite, mais alors loin, c'était vraiment le début. On va se mettre en hard et vous allez voir, rien que le démarrage, il est déjà très 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 compliqué. Pour cette map, c'est tout un territoire qui va être occupé. On va pas avoir de surface pour cette mission. Ça va être de l'ouverture de salle avec un petit peu d'anticipation et de jugement. Pour le tout début, ça va. On va ouvrir cette toute petite galerie qui va nous offrir ces 3 larves. Après quoi, on va ouvrir celle-là. Et hop là, il y a tout ça qui va s'ouvrir. On va tout de suite tomber sur 3 fourmis qui vont être level 2, il me semble. Ça, déjà, rien que ça... Après, ça allait à peu près. Je pense que j'ai ouvert les bonnes salles au bon moment, avec le bon timing. Je m'étais pas trop mal débrouillé. En termes de fourmis, on va avoir les mortiers ici. Et on va avoir des fourmis de bois de mêlée qui sont assez bonnes pour encaisser un peu les coups. On va partir sur de la mortier parce que là, il va falloir qu'on leur mette du dégât à elles. Et ça va être costaud. Après, ok, ils ont placé la petite larve. Moi, je m'étais dit, groupe 1, on va uniquement chercher la nourriture. Groupe 2, on va pas chercher la nourriture, mais... on mise tout sur la baston. Donc groupe 2, c'est la fourmi mortier. On va pouvoir la mettre là. Le groupe 1, on va pouvoir profiter peut-être d'un petit bloc de défense. Creuser là. Cas où, mais je pense que ça va quand même tout ouvrir ça. Ouais, ça ouvre tout. Allez, vite, 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 vite. Allez, vite me chercher de la bouffe. Allez là. Allez, commence à te battre. Commence à tirer un petit peu. Par contre, toi, il faut pas que tu te prennes des châtaignes. Et si, elle va commencer à prendre des coups. Ça va être un contre un. Qui va se terminer, soldé par un échec. Ok. Vous, on a dit quoi? Vous bouffez. Sauf que là, vous bouffez pas. Et là, elles vont rester à l'intérieur pour s'occuper des larves. On a à peu près une cinquantaine de bouffes. Donc ça devrait tenir. La mortier qui a pu repop. Mais qui vient de se faire tuer à nouveau. On a pu reposer une petite larve, je vois ici. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'elle va pouvoir ressortir sous peu. Ici, on a toutes les ouvrières qui vont pouvoir défendre. Toi, mets-toi ici, là. Viens te battre. Ok. Encore du compliqué, ça. Hein. Allez, voilà. Maintenant, allez vous régaler. Vous allez ici. On a viré les phéromones, les machins. Donc ça, voilà. On n'a qu'un groupe principal. Ils vont aller manger un peu. En termes de bouffe. On a pas mal, ici, quand même, d'étaler à droite, à gauche. Vous pouvez rebasculer à l'intérieur. Et vous occupez de la repop et tout ça. On va pouvoir se refaire une petite tuile. Peut-être une dernière. Voilà, comme ça, il va me rester à peu près une vingtaine. Maintenant, en termes d'ouverture, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois et j'en ai quatre. Celle-ci. Celle-ci, je vous fais pas un dessin. On est sur du petit point d'exclamation. Sauf qu'il y a de grandes chances que ce soit... bah, tout ça, à mon avis, ça va être tout la même chambre. Voire même ça avec... ici... c'est jouable. Ici, on est sur du gros point d'exclamation, donc c'est dead. Et ici, c'était là où j'étais rentré. Parce qu'en fait, en creusant ici, on a accès à cette chambre. Et après, on a accès à cette chambre par là. Donc là, on va creuser un petit coup là. Elle, on va les appeler Skullyland. Allez, voilà, et venez là. Perfecto. Ça, on va le laisser. Donc, c'est de la petite larve. Je sais plus à combien ça nourrit, les larves. 25 chacune. Ah, donc là, on doit bien avoir du 150. Donc, c'est pas fou non plus. On va commencer à se faire une petite... ça coûte 50. Donc, ça, c'est pas mal. Elle, par contre, on va pouvoir bien se la mettre ici. Comme ça, ça laissera un peu de la place. This colony must remain small for now. Voilà, on va déjà en sortir deux. Food is too scarce to support greater numbers. Là, il y a combien qui descend? 25, 25, 50, 100, 150 au moins. On va refaire une. Ah, une, deux. Comme ça, il va rester un peu de gras, un peu de réserve. Ça, on touche pas. Pas touche. On se met là. Par contre, ouais, faut peut-être les faire, ces tuiles. On va les rebasculer là. Aïe, 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 il est plus létif ce jeu. Hein. Suffit qu'on se fasse une mauvaise pioche et c'est terminé. Hein. Mais vraiment, l'histoire de la toute petite salle là avec les trois autres derrière de fourmis, hein, ça paraissait bien géré, mais je m'y suis pris à 10 fois. Je m'y suis pris à 10 fois, c'était une horreur. La bouffe, on va mettre quelque chose de très central. Voilà, ça coûte rien. Et ça évite de revenir à chaque fois faire des dépenses pour
On a un peu de stock. Ça ira pas trop mal. Vous, vous allez pouvoir basculer là. Donc maintenant, on a un groupe à 4-4. 4 qui tank, 4 qui agresse. Là, non. Là, je l'ai toujours pas ouvert. De toute façon, j'avais pas ouvert ce côté-là. On se place ici. Et on y va. Donc là, alors est-ce que je les avais passés? Oui. Oui, oui, oui. Alors je crois que j'ai peut-être un petit peu plus de fourmis. Je sais pas comment je me suis dépatouillé. Mais ça va. Ils font pas de gros dégâts. Et en plus de ça, c'est qu'ils aiment pas l'acide. Ils aiment pas bien l'acide. Hein. Et on va pouvoir aller jusqu'au fond. On a ça, l'espèce de blatte là ou de punaise. Pas de punaise, je sais pas trop ce que c'est ça. Des merdouilles, c'est de la merdouille. Combien ça nourrit ça? 40. Ah 40, c'est ça. Ça nourrit de 40. Bon, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Eux, ils ont terminé là-dedans. On va pouvoir en mettre une petite tuile ici. De chaque. Voilà. Et puis après, on va surtout garder. Garder le reste. Venez manger ça. Ok. Là, c'est du moyen. Point d'exclamation. Ah, ça se voit. Je sais pas si on arrive à le voir si un peu avec la taille. On a du petit, moyen et grand. Point d'exclamation moyen. On n'est pas encore taillé pour. Hein. On a 5 et 5. Ça fait quand même vraiment l'edge. Allez, venez vous mettre là. On va pouvoir sortir encore une petite mortier. Ici, à l'araignée, on va pas y toucher. On va pouvoir s'attaquer à lui, peut-être. Alors, il va être un poil chaud. Hein. Surtout que j'ai pas de quoi faire la repop. Ouais, je crois qu'il était un peu chaud quand même. Alors, on va pouvoir profiter des deux ouvrières qui vont pouvoir prendre des jetons. Elles sont où, mes mortiers, là? Ah, j'en ai 7, ouais. Alors, il y en a 5, là. Bon, ça va passer, hein. Ça va passer, la sixième qui vient d'arriver. Il y en a une qui doit se balader en bas. Ouhouhou. Ok. Ok, donc on l'a dit ici, il y a deux araignées. Donc ça se fait après celle-ci. Là, eh ben on va faire l'araignée. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire hein, pour le moment. Sauf que je crois qu'il y a de la fourmi ici. Je crois que c'est jouable. Ouais, on va se le faire ça. Je crois qu'il y a les mêmes fourmis que du début là. Ah là là, ah, elles sont 6. Oh putain, ça chaud. Devant ça va, ça encaisse pas trop mal les coups. Hein. Ok, à terre, facile. C'était pas mal. On va au moins monter à 10-10, ça j'aimerais bien en améliorer. C'était vraiment histoire de, mais on va au moins... Il nous faut plus que ça là, il nous faut plus. Donc ça c'est terminé, ok. On va pouvoir... Si on ouvre là, c'est l'araignée. On va pouvoir grappiller là, parce que là c'est une petite salle encore. Et encore du petit. Du petit point d'exclamation. Ok, elles sont 5. Elles sont 5, ça va le faire. Bon, ça nourrit pas, hein. Ça c'est le gros inconvénient, ça nourrit pas du tout. On a même perdu un petit peu de bouffe pour le coup. Je me demande si on peut ouvrir là, sans passer par l'araignée. Non, c'est tout de suite l'araignée. C'est tout de suite l'araignée. Donc là c'est bien, on va pouvoir lui mettre quelques avoines. Faut rentrer, avec l'araignée faut rentrer, faut pas avoir peur. Et là il va falloir que tout le monde tape. Rentrez, massez-vous par là, là. À chaque fois qu'elle va en prendre une, elle va pouvoir se prendre des jetons. Elle a perdu un quart de sa vie. Par contre, j'ai quasi plus rien. Pour la repop. Ok, elle en perd. Elle monte super loin, comme ça elle va pouvoir se prendre des coups. Et là, faut la bloquer. Faut essayer de venir... au plus près, au vraiment au plus près, et de la cueillir dedans. Voilà, comme ça elle est directement là. Les mortiers elles peuvent viser et bah, sur une cible qui est quasi immobile. Et là on mange, on se fait plaisir. Ici ça, généralement c'est de la larve. Donc ça devrait le faire, on va juste attendre qu'il y ait une ouvrière qui vienne ouvrir un peu là. Ouais, parfait. Et voilà, creuser ça aussi. Bon, nickel, on va pouvoir se renforcer bien comme il faut. On va améliorer un maximum. Toutes les faire passer niveau 2 si on peut. Ouh, ok, on va se garder les 65 hein, au cas où. Alors, là, il y a un moyen.
On va pouvoir se taper. Et là, ça commence à être un condensé. Trop condensé à mon goût. Ici, on va avoir une salle avec deux araignées. Donc, c'est pas terrible. Là, c'est du coup point d'exclamation. Il y a peut-être là qu'on pourrait ouvrir. Il y a peut-être là qu'on pourrait ouvrir. On va déjà commencer par le bas. Yes! À chaque fois, on va avoir du 50. 50, 150. De sang de bouffe qui traîne. Bien. Ah, on a même le luxe d'avoir une mortier level 3. Donc ça, c'est top. On va s'ouvrir ces trois issues. Non, peut-être pas celle-ci d'ailleurs. Peut-être pas celle-ci. Comme ça, nous, on reste en bas ici. On va ouvrir ça. Ces deux coins, lui. On va lui tomber dessus. On va essayer de lui faire du dégât. Donc sur la map, on a déjà ouvert une bonne moitié. Donc ça, c'est cool. On avance bien. Ok. Oui, c'était une araignée là. Là, c'était une araignée. Allez, 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 allez. On y va. On y va, elle va vraiment pas faire long feu, la pauvre. Là j'ai vraiment peur que ça ouvre trop gros morceau d'un coup. On a 130, ça va être le moment de se faire ces araignées là-haut. Donc pareil, hein, faut avancer, on va déjà s'occuper de la première avant de la seconde. Et on a 140, on va même pouvoir se faire une petite dernière amélioration, sauf que là je peux plus. Je peux plus, il va falloir reposer à nouveau de la tuile. Allez, allez, allez. Parfait, et là on avance. On avance, là on avance, et on y va. Allez, on va la coincer là-bas dedans. Et les mortiers, sur quoi ils tirent? Ok, 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 si c'est bon, ils arrivent quand même à faire un peu de dégâts. Ah ça va être compliqué là, j'ai plus rien, j'ai plus de bouffe. J'ai plus rien, j'ai plus de bouffe, donc la repop va se faire, on va se mettre ici. Arrêtez tout. Arrêtez tout, on va analyser de 30 secondes. Attendre que ça ressorte en plus. Ok, elles arrivent. On lui a mis quoi? Une moitié. Et lui, quasi rien. Mauvaise opération. Hein. Mauvaise OP, ça. Donc il ne doit pas avoir de mauvaise surprise, normalement. Ces deux petits points d'exclamation. Oh putain, elles sont level 3. Il y en a 5. Ça reste que de la fourmi. Hein. Elles sont vraiment pas assez nombreuses pour faire le taf. J'ai du level 2 majoritairement. Ok, c'est réglé. Réglé par contre. Ouais. Sur quoi ça m'a ouvert ce machin? Sur rien, y a pas de bouffe. Est-ce qu'on tente le coup là? Parce que la crainte elle est immense. Il suffit qu'il y ait du cliquet ou de la montre religieuse et puis c'est terminé. Là. Putain, allez, ouais, faut y aller. J'ai pas le choix. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. Y'a que. Y a que de la blatte là ou la petite. Mais je sais pas trop ce que c'est. Allez! Ah, parfait. Donc, ça c'est bien. Bonne OP. Bonne OP. On a dit que chacun leur amenait une 40. Ah, quand même. C'est pas mal ça. Ah, ça c'est même pas mal du tout. On va continuer. Les améliorations de tuiles. Et quand on est bloqué, on en rajoute. Donc ça a trop gros, trop gros. Et ben on va commencer, ben, on va refaire un tour aux araignées là-haut. On va se remettre par là. On va arrêter ça. Elles vont juste se masser ici en attendant. Est-ce que je me suis tellement renforcé? Je sais pas. Après s'il reste plus qu'une araignée, ça fera le taf, ça sera bien. Et on a une marche confortable. En tout cas faut pas bouffer. Faut se battre. Allez go, on avance. Et on y va. Et on y va. Allez, directement dans le nid. Directement dans le nid. Puis là, faut pas avoir peur. Hein, de la perte, il va en avoir. Allez, 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 avancez. Voilà, elle est immobile. Elle prend de l'acide. Parfait. Et ça va être pareil ici. Parce que du coup, les tirs d'acide partent un peu n'importe où. Voilà, bah voilà, il s'écrase là. Donc là, faut vraiment avancer au plus loin. Plus loin, la coincer là-bas dedans. Voilà, elle prend un peu d'acide. Elle a perdu. Ah, parce que finalement. Quand elle est immobile, qu'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elles sont fragiles. Elles sont vraiment pas fortes. Leur grande force, c'est surtout ça. C'est leur rapidité. Et ben voilà, ça nous fait combien ça? On a 60 par araignée. Et. Ouais, ok. Il y a bien un petit 300, je pense. Qui se balade, qu'on va se faire. Oh putain, il y a encore du gros point d'exclamation ici. Pas rêvé là. Hein. Ça fait pas rêver parce qu'il n'y a pas de bouffe, mais va falloir qu'on y aille. Allez, deux nouvelles niveau 3.
Pourquoi pas? Ici, encore un level 3. Et puis on repose, hein, parce que les tuiles, alors à moins que ça... En... Ah, level 3, level 3, level 3. Ici, je peux plus, je peux plus. Ok, et eh ben on repose. Manque pas de bouffe. Donc sur la mission, c'est assez classique, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'a pas de surface, on n'a pas d'autres colonies, on n'a pas de mauvaises surprises avec des rongeurs qui se rapprochent petit à petit comme on a eu fait sur certaines, certains extra levels. Ça, c'est de l'ouverture de pièces telle qu'on le connaît. Il y a un moyen ici, hein, ça peut vite tourner au vinaigre, hein, celle-là, si elles sont toutes connectées. C'est que du petit point d'exclamation, donc on va y aller. Ok. C'est bon, ça a géré. The battle has begun. Ils sont tellement chers, eux. Oh là là, l'acide level 3 qui font des dégâts de zone en prime, là. Des grosses éclaboussures. C'est parfait. Il n'y avait rien de connecté, finalement. Oh là là. Terrible pour eux. Allez, on s'ouvre. Cette petite chambre. Ah, finalement, elle est bien. Hein. Je vois pas comment on peut la... Comment on peut la louper, maintenant. C'est que des chambres qui sont jouables. Il ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Celle-ci, ça passera. Celle-ci, finalement, c'est que du petit... Pas parler trop vite. Hein. Oh là, ça va, ils sont assez nombreux, mais c'est rebelote. Hein. Coup d'acide, ça va faire vraiment du sale. Bang, 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 allez. Bang, bang, bang. Puis là, ça tank, mais vraiment. Entre les levels 2 et 3, ça bouge pas. Cadeau. C'est un cadeau. C'est parfait. On commence à avoir de la belle pièce. Hein. Il y a peut-être celle-ci qu'on ouvrira, mais il y a elle qu'on fera avant. Elle, elle. Et après, bah, c'est parti. Hein. Et après, l'ordre, il sera fait. L'ordre des choses. Et on fera les gros points d'exclamation à la fin. Parce que c'est, on les connaît, ces monstres. Ok. Il y a les petites dernières qui vont poser. On est quasi à sec. Hein. J'ai été gourmand. Parce que j'ai fait des nouvelles salles. Il n'y en a plus que 9. Du coup, on est passé à 12, 16. Très bien. Très, très bonne chose. Allez, on va pouvoir se débarrasser de ça. Et puis. Bon, on va voir là. Donc, on va se tasser ici. Là. Et on va voir ce qu'on a. On va avoir un paquet. À moins qu'on ouvre là, mais ça risque de tourner au vinaigre. Allez, c'est parti. Montre-toi. Oh, un gros. Comme on a eu là-haut. Mais c'est rare. Ah non, lui, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment un très gros, lui. Surtout qu'on est à sec. On est à sec. On est à sec. La première ligne. Ah putain, il bouge pas, hein. Oh, mais c'est un gros point d'exclamation, mais c'est pas possible. Oh, le bordel. Ah, pourtant, le noix d'acide, ça passera pas. Ça passera pas. On est mort. On est mort, on est mort. Arrêtez de vous battre. Il faut que je trouve de la bouffe ailleurs. Je peux pas. En attendant, j'ai plus rien. J'en ai trois, je suis mort. Il faut monter bouffer. Sauf que chaque fois, elles vont le rencontrer. S'il y en a peut-être deux qui peuvent passer là avant. Oh là 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 là. Ah, la vache. La vache, la vache. On est mort, j'étais à sec. Surtout qu'il manque juste un petit peu de bouffe. Les larves, elles sont déjà là. Oh, la reine, elle va prendre cher. La reine, elle va prendre cher. Allez là-bas, vous aussi. Restez pas là. Restez pas là, bêtement. Est-ce qu'il y en a qui redescendent? Putain. Ah, putain. Ah, je leur ai dit. Ah, putain, la connerie. Et en plus de ça, c'est qu'elle devait... Je leur ai privé de bouffe. Alors forcément, elle le prenait pas. Allez, faut qu'elle pose de la bouffe ici. Allez, vite, 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 vite. Ah putain, j'ai vraiment chié. Je l'ai chié complet. Ah, je l'ai chié complet là. The queen is in imminent danger. Ok, il y a un petit peu de renfort, mais là on fera rien. Là. Ouais, non, mais là c'est perdu. Hein, mais... Aïe, aïe, aïe. Comme je vous disais, une ouverture de salle. Je sais pas pourquoi. Lui, c'était un point d'exclamation, je le voyais pas gros. Je reviens dans le montage. Mais il peut foutre en l'air une colonie. Il me manquait aussi un petit peu de repop, c'est évident. J'ai pas pu profiter de la seconde vague. Aïe, compliqué. Aïe, ben voilà, je la retenterai. Ou peut-être qu'on s'en découvrira une autre. Et les échecs, et ben j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez le jeu et que vous l'avez réussi, apportez-moi des conseils, je suis preneur. Allez, sur ce... Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.